Canal pour la chaîne pour la MTV News, sur le fond encore, nous tournons dans le cas là pour nous porter une autre vidéo pour nous. Mais nous allons aller dans le Parlement haïtien, côté nous allons parler des dossiers corruption, dossier Petro-Caribé, et bien avec le sénateur Youri La Tortue. Et bien, comme nous connaissons, citoyen ça, c'est lui-même qui est président de la commission et bien, anti-corruption. Mais avant nous entrer dans l'actualité, on a profité de remercier, saluer vous-même qui déjà abonné avec la chaîne là. Et je salue tout même qui a regardé la vidéo, qui vous abonner avec la chaîne là. Et bien, moi, invitez vous pas négliger, abonner, invitez vos amis, vos familles, partager la vidéo avec vos amis, partager avec vos familles, partager sur mon groupe WhatsApp, mon groupe Facebook, Twitter, Instagram. Et bien, c'est seulement quand même aider nous pour d'avoir la continuité. Mais je ne sais pas, sénateur Youri La Tortue, président anticorruption, et bien, mettez en pile causé d'ailleurs sous dossier Petro-Caribéa, sous Jean-Max Bellerive avec le président Jovenel Moïse. Et bien, moi, invitez nous pour nous entendre et bien, comment le sénateur Youri La Tortue a détaillé dossier cela encore une fois, et bien, qui mettait pays à tête en bas, division sous division dans le pays d'Haïti, sous dossier Petro-Caribéa. Jeunesse nous et engagement nous à travers l'émission Sahara. Chaque après-midi avec Marco Gary pour que nous informer Mounio et faire travail notre cas d'opinion côté que n'a pas fait analyse politique. Moi salue Timanco Sever, je salue rédacteur, je salue téléspectateur, téléspectatrice, chaîne 16 là et chaîne 16 qui a football là tout. Et moi salue tout auditeur auditrice, spécialement sa capitaine dans la Tibonite, puisque moi scoop envahi département. Ah bon? Ouais. Et tout côté on passé de pour river Neglado, il y a un militaire d'eau, mais ceux qui fréquence on prend scoop. Et même pas sous la caille, moi gain radio couler émission. Oui, exactement. Donc tout temps voir la Tibonite là, mais c'est extrêmement important. Et je pense que nous avons long, puisque il y a un match qui va jouer, justement. Et moi, nous devons parler depuis mercredi, mais entre temps, c'est lundi à nous venir parler. Moi, je pense que je vais le dire directement au fait, puisque nous avons pile le temps. Premièrement, rapport pour des comptes-là, il a été voyé dans le Sénat le 31 mai. Du 31 mai jusqu'à nos jours, il y a un problème, justement, dans la question de séance. Et c'est mercredi que le président Sénat a remis à commission. Commission éthique anticorruption, dont moi-même qui est le président, moi prends. Et je pense que nous avons travaillé sous rapport là pour que nous remettions mardi à bureau, à l'Assemblée, pour que nous-mêmes nous acheminions devant la justice. Moi, je pense que dans ce sens, ça et pas gagné en pile. Question que nous allons inventer dans la question rapport là, puisque tout est dit dans le rapport. Son rapport qui statuait sous 78% de fonds. Son rapport qui gardait environ 7 entités étatiques. Ouais. Ministère planification, ministère travaux publics, ministère alors UCLBP, et la Chambre des députés, le Sénat, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ministère des Finances, et en fin de compte, il y a la donne tout en partie dans le ministère de l'Agriculture. Rapport là, il y a gardé 60% de contrats, puisque le premier a gagné environ 20% de contrats, il y a analysé yo, et il dit quels sont les responsables. Il dit en gros, et dans le rapport là, que plus fort contrat ça yo, plus fort exécution ça a été mal fait. Et il dit voici les responsables de premier niveau. Premier niveau, à pas oublier, c'est moun qui dans l'État, par exemple, qui m'a fait appel d'offre là. C'est le premier niveau, c'est ministre là, c'est directeur général là, c'est comptable là. Il dit voici les responsables de deuxième niveau, les entreprises. Ouais, moun qui dans l'entreprise yo, qui gère l'entreprise yo, qui en même temps tout pas fin faire ce travail là. Ou du moins pas exécuté contre l'État et qui rentre tout dans surfacturation. Et puis il dit voici les responsables du troisième niveau, qui ont même le plus souvent, c'est comptable qui est dans le ministère, administrateur ou des mouns qui sont responsables de gestion approvisionnement. Et Mounzayo, la Cour l'a dit, faut qu'il y ait une enquête à travers les autorités compétentes.
et autorité compétente là li de plusieurs niveaux. Premièrement, sous prend ministre là et justement sous prend directeur général là, comptable là, moun sa yo cour des comptes doit rendre un arrêt de débet ou de quitus pour yo. Ça c'est juridiction administrative là. Sous prend ministre yo qui était en fonction qui là, eh bien là faut parlement garder gestion puisque c'est lui qui va bailler des charges. OK, sous prend entreprise yo ou parle devant juridiction de droit commun. Et sous gen moun qui en fonction qui t'est fait un acte pendant était en fonction, disons dans cour des comptes ou bien dans autre, yo même yo parle devant la haute cour de justice parce que j'aime te dire l'autre jour, il y a quatre ordres de juridiction en Haïti. Il y a l'ordre de juridiction électorale, ça lui même c'est BCEN, BCED, il y a l'ordre de juridiction administrative, la cour des comptes et la cour de cassation. Il y a l'ordre de juridiction de droit commun, c'est le tribunal de paix, première instance, appel et cassation. Il y a l'ordre de juridiction politique, qui c'est la haute cour de justice, à travers la Chambre des députés, qui joue le rôle de chambre d'instruction. Donc, tout le monde va parler même devant, va parler devant même tribunal. Mais cependant, pour les cas de corruption, c'est de surfacturation, eh bien, les tribunaux qui sont compétents, c'est tribunaux de droit commun, qui c'est et tribunaux de première instance à travers le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction. Dans ce sens, ça n'a pas hésité, rapport là, l'Ipoal justement mandé pour tout le monde, ça y a le devant la justice. Il y a le rendre compte devant la justice. Et dans le rapport là, même Jean-Président Jovenel Moïse te dit le monde qui en dans l'État, il pas carré dans l'État, parce que si on est boile devant la justice et pour gagner et tout pilier l'État en amont ou qu'a agi pour que ou pas justement yo pas rendre la justice et c'est peut-être ça moun qui en dans l'État yo, et bien yo mandé yo pour yo démissionner pour que yo qu'a à disposition de la justice, parce que j'ai entendu le président Moïse te fait avec le ministre Lalo. Et bien ministre Lalo était chef cabinet, là était indiqué dans premier rapport là, dans deux rapports yo, yo demandé tout le monde qui est indexé au démissionner, mettez à disposition de la justice. Et comme de fait ou un cabinet là il était presque réduit à chef cabinet et à lui-même à la disposition de la justice, mais pas jamais rien qui dit le travail juge d'instruction. Nous avons juge d'instruction et n'a dit juge d'instruction, fait attention ou pas qu'à gon dossier comme ça ou gon premier rapport en amont ou gain les deux rapports sénatoriaux, et bien fort nous t'étendez le commencer à recevoir moun ki pou te plainte, et bien faut que l'étendez tout l'autre monde tout. Mais qui le exactement sénateur que la Cour supérieure des comptes qui a commencé par remettre, puisque maintenant il s'agit d'un rapport administratif et que il y a des monde qui indexé, c'est à qui moment que on monde capable attendre que Cour supérieure des comptes kabaye arrêt de débet ou bien quitus. Très bien. Ça fonne pote précision pour moun yo parce que moi t'entend en pile moun a dit l'autre jour encore, moi t'étant des Éric Jean-Baptiste Abdil, que arrêt cour des comptes pour courant arrêt de débet ou de quitus. Arrêt de débet ou de quitus, pour mieux comprendre ça lié, débet sont mots qui viennent de latin debeo, debes, debere, qui veut dire devoir. Donc si on rend un arrêt de débet, ça dit où est l'État. Ouais, arrêt de débet, le mot débet ça dit devoir. Yo gardé yo écouté mal géré l'État, donc ou gen un corps pour remettre à l'État. Okay. Arrêt de quitus, quitus justement c'est quitte, ça dit que yo wè que ou pas doué l'État. Okay. Donc si on rend arrêt de quitus là moun nan li pas doué l'État. Si on rend arrêt de débet, justement moun nan li gen corps pour louer l'État. Et là on rend arrêt de débet dans juridiction administrative là ou gen un seul recours ou qu'à aller devant la cour de cassation, parce que la juridiction administrative en Haïti li gen la cour des comptes dans ses attributions judiciaires et li gen pouvoir en cassation. C'est peut-être ça dans ordre de juridiction yo, l'ordre de juridiction électorale li indépendant de l'ordre de juridiction de droit commun, li pa gen cour de cassation, li au fin rendu dans BCEN, c'est dernière juridiction, alors que l'ordre de juridiction administrative li gen la cour de cassation qui c'est dernier tribunal dans droit commun, mais c'est en même temps les mêmes tout qui décidaient pour juridiction administrative là. Donc le valant arrêt de débet ou de quitus, c'est pour justement les comptables, les administrateurs et les directeurs généraux. Ou pas qu'un arrêt de débet ou de quitus pour monde qui est dans l'entreprise, non.
ou pas qu'à un arrêt de débat ou de cutis pour ministre. Ministre, c'est devant Sénat. Yo même, yo en affaire pour yo gain des charges. Ok, les ministres, les premiers ministres, exactement, c'est devant Sénat. Sourivé dans le président de la République, c'est deux bagages. Si Aklalte fait pendant fonction, justement, Aklalte fait pendant fonction, c'est, disons, un acte de corruption, il peut aller devant la haute cour de justice. La haute cour de justice, les mêmes de ça, la destituelle, ok, il y a trois bagages que le café. Il y a droit destituel, il y a droit condamner pour que il pas comme si pas présenté dans l'élection. OK, c'est là la haute cour de justice ne fait ça, c'est là ça que le voile devant les tribunaux pénaux. Est-ce que vous comprenez? Le tribunal pénal. Donc c'est là où fin destituer président, c'est là ça là devant le tribunal pénal, mais pour les actes accomplis pendant sa fonction. Par exemple, sacrifié président Jovenel Moïse là, c'est pas pendant fonction. C'est peut-être ça qui pas nécessaire ou à devant la haute cour de justice avec son acte qu'il a accompli avant qu'il était président. C'est peut-être ça qui a répondu directement devant les tribunaux de droit commun. Sénateur, attends. Non, alors ça me devait ajouter. Okay. Le cours des comptes pour Alran et Areo, c'est pour les comptables, les administrateurs et les directeurs généraux. Et même s'il rend arrêt, attendez bien, oui. Même si au niveau de la Cour des comptes, il y aura un arrêt de quitus, ça n'a pas empêché qu'on calme devant le tribunal de droit commun pour des actes de corruption. Parce que les actes de corruption, ce n'est pas la Cour des comptes qui garde. La Cour des comptes garde gestion comme là. Ou bien, je dis, il y a un cobre pour faire une activité ou pas faire ou faire l'autre activité, eh bien, c'est un détournement au niveau administratif. Il y a un retourner. Alors que si on surfacturation qui fait, Cour des comptes ne doit pas avoir sur facturation, libre arrêt de quitus, mais tribunaux de droit commun a jugé pour corruption. Ok, ok. Donc, arrêt de débat ou de quitus, c'est des arrêts qui interviennent surtout dans la gestion administrative, hein, administrative de l'argent de l'État. Ok. Sénateur La Tortue, je dis à tout le monde, en fait, déjà qu'on est, depuis au palais de questions Petro-Caribé, yo ouais, sénateur La Tortue, comme monde qui initie. Question enquête sous bazar. Mais qui s'est passé? Puisque je vous dis, l'un parlait de corruption dans la question comme Petro-Caribéen, mais il y a un paquet de dossier corruption encore. Même si c'est ça, comme si un peu le monde connaît, mais il y a un rapport Paul Denis, il y a actuellement une question $50, il y a un paquet de dossiers. Est-ce que la bataille ou mené son bataille? Par exemple, je dis là, ouais, Petro-Caribe, mouvement Petro-Challenger. Mais est-ce qu'on a kembe ça là seulement jusqu'au bout? Ou bien, il y a de l'autre dossier encore qui a toujours venu sous table et que il y a de rapports qui produisent contre eux? Nous-mêmes, c'est commission éthique anticorruption. Nous, la commission et nous, Petro-Caribe. Ouais, commission éthique anticorruption, son commission qui a gardé les actes de corruption. Ok? Surtout qui a accompli au niveau de l'administration les actes de blanchiment. Je dis à nous gagner au moins 5 dossiers que nous avons travaillé sur eux dans la commission. Nous gagnons et Petro-Caribé de 2008 à 2016. Nous gagnons Dermalogue et nous remettons tous les deux rapports ça dans le bureau. Nous gagnons la question des franchises que le rapport ça est presque fin préparé. Nous gagnons la question de la contrebande. Et nous avons un dossier hélicoptère. Ça veut dire que nous avons 5 dossiers. Si je dis et gagne une résolution au niveau de Sénat qui dit au saisine au niveau de, disons, 1,50$, disons au niveau rapport Paul Denis, nous avons travail sur lui. Nous travaillons sur tout dossier et nous baillons rapport nous selon ça nous joigne. Mais l'essentiel, l'heure où il y a un dossier, ça y est. Par exemple, un dossier. Quand Petro-Caribé, c'est sénateur Larèche qui était président à ce moment que nous t'ai écrit et qui t'ai fait voter en résolution pour t'ai saisi commission noire. Nous avons saisi de par nous-mêmes. Mais il y a des dossiers nous pire mais que l'Assemblée a engagé là-dedans. Parce que l'Assemblée a engagé le nom dossier, l'Assemblée a assumé le travail dans le libre. T'as l'Assemblée a pas engagé, et puis il y a des nègres en général, nègres fait dilatoire, nègres va respecter la forme, et puis pourtant, ou pas de quiétude pour mener un dossier. Mais cependant, d'après vous, vous avez dit un bagage sur question de corruption. Et moi, que
ambassade américaine on note yo fait sorti après nous une visite secrétaire d'état qui est responsable Amérique latine là eh bien yo dit yo voulait un gouvernement transparent et responsable moi pensais que ça veut dire que ambassade et les États-Unis d'Amérique commençaient peut-être comprendre question question qui posait qu'on y a là li posait à partir de Petro-Caribé qui c'est un scandale du siècle. Mais le problème, c'est que les États-Unis d'Amérique ont commencé à comprendre que si on ne combat pas la corruption, Haïti a tout non côté que, eh bien, Tibato a fait Mikalao ou la Floride. Parce que nous ne pouvons jamais arriver à un développement. Et je dis, c'est peut-être ça que, point les États-Unis pour qu'on comprenne. Mais à travers notre là, nous commençons à comprendre. Je vais te dire. Mm-hmm. Il dit, il faut nous avoir un gouvernement transparent et responsable. Ça veut dire que Jodia, il considère que ça qu'il a, il n'est pas ni transparent ni responsable. Alors, petite précision, en fait. Je pense que comme États-Unis, différent de nous-mêmes, puisque nous avons une question de régime présidentiel. C'est donc, ça. Nous-mêmes, là, on parle du gouvernement. C'est exécutif. Je ne crois pas que son seul branche libre en Haïti, comme Simdadou. Comme Simdadou, c'est ta question gouvernement, et puis pour vous mettre à terre, et puis comme si. De exécutif. Il a dit exécutif là, pour lui, il n'est pas ni transparent ni responsable. Bon, mais c'est que nous avons une campagne. On garde des questions de corruption. Ouais, on parle de Petro-Caribé, et puis moi, j'entendais que le président Moïse a dit, président Jovenel Moïse a dit, oui, on voulait faire enquête là. Mais moi, je dis non, on ne va pas faire enquête là. Moi, je l'explique. En juin de l'année dernière, les États-Unis d'Amérique disent que ils ont bloqué 10 millions de dollars. Bautista. T'entends bien? États-Unis bloqué 10 millions de dollars Bautista parce que les 10 Bautista volaient quoi en Haïti? C'est pas gouvernement qui m'a dit non, ils ont pris devant. Ils ont bloqué. Bautista, tu as un contrat avec trois compagnies. Tu as gagné avec Disenios, tu as gagné avec Wofi, tu as gagné avec Adom. Dans trois compagnies, ça près de 400 millions de dollars de contrats en dans Petro-Caribé. En Haïti. En Haïti. Ils ont bloqué 10 millions de dollars. L'homme a bloqué 10 millions de dollars. Puisque là, ça a moins dans le Parlement, moins connaît que Bautista a eu 10 millions de dollars pour le construire le Parlement avance. Et Bautista n'a pas fait rien à 10 millions de dollars. Moins ouais avec. Ministre Aviol. Moi écrit ministre Aviol, moi porter plainte pour compagnie ça. Moi dit ministre Aviol, moi mandé pour le porter plainte pour compagnie ça parce que yo bloqué Kobli et il gagne 10 millions de dollars allemand que justement li va faire avec. Ministre Aviol a fait constat de parlement. Li ouais peut-être deux pour tout que yo mettez pour 10 millions de dollars. Ça dit quoi 10 millions de dollars de ministre Aviol pote plainte sous demande d'eau, li pote plainte dans le tribunal ici. L'État vient pour le faire suivi ça. Parce que. À travers le gouvernement, qu'on y a l'État vient pour le mettre avocat, le ministre a pote plainte. Qu'on y a fort gouvernement engagé pour pote plainte pour non seulement mettre scellé et demander les États-Unis, justement, premier comme ça, voyez ici. Pas d'arrêt fait, non? Ça veut dire que ça son cob. Moi penser premier cob plus facile que d'abattre c'est tap comme ça. C'est les gars comme ça. Et pas oublier, il était bloqué 10 millions de dollars Bautista. Mais Bautista a gagné 400 millions de dollars de contrat. Oh, c'est ça. Donc ça veut dire que ça c'est premier bagage que gouvernement s'il devait faire pour Saint-Pétro-Caribé. T'as déjà commencé là. Et là on parle au bon président Moïse là, oui. OK. Donc les États-Unis ba nous occasion pour que dans le premier 10 millions de dollars, ça, et l'État haïtien soumette, lui dit que voici le dossier du Parlement. Mais quoi que vous débattez, monsieur? D'ailleurs, ils font fraude. Okay. T'as bien, oui? Là, il y a Baye et Bautista Kobla, 10 millions de dollars, ils ont gagné garantie pour les bailler. Garantie, parce que si vous avez monsieur Kobla, il n'y a pas bail pour l'État qui a exécuté garantie. Eh bien, où est-ce que vous c'est que garantie a Bautista ba on faut garantie oui il y a pour garantie sous banque caribéenne de développement yo prend garantie a qui c'est un faux garantie malgré tout les analyser le ministère planification yo gardé yo ba la yo ba Bautista comme là quand même
Léo bal 10 millions de dollars, on se ben après, garantit ça que yote ba ministre de planification, yo voye le nan banque centrale pour analyser, banque centrale dit garantie a pas bon. Mais qui ça qui passe, gen tout base à rebi pour ne pas arriver? Non, mais c'est pour montrer que pas gen volonté, pas gen volonté pour faire pour ça. Je vais te dire quelque chose. Ça, c'est 10 millions de dollars ba outi ça que les États-Unis te bloqué. Et m'a pas connaît quel est l'état de la situation actuellement. Mais je vais te dire, deuxième comment encore que tu apprends. Gen route fermat route frère. Fermat route frère c'était 22,500,000 dollars pour 22 km. Compagnie supervision, n'ego fait 8 km pour 8 millions de dollars. Compagnie supervision dit que compagnie GTC a compagnie Colza. Li gen amène 12 millions de dollars. Dans rapport que l'écrit oui, lisez l'état ou bay compagnie ça a trop cob et peut-être ça nous mandé des ministres comme Marie Carmel, des ministres comme Lalo, yo débloqué cob yo alors que travail là pas fait. Et peut-être ça nous demandé yo pour la justice serré les yo. Et c'est peut-être ça après tout ça dans rapport là. Maintenant, compagnie supervision dit que compagnie ça a gen 12 millions là même. Et depuis que là, il dit ça depuis 2015. Moi-même en 2016, moi écrit, moi dit, on gagne un peu comme ça, non, mais GTC. Quand il y a l'homme responsable GTC, moi dit, est-ce que vous avez un problème? Je dis, mon cher, vous avez un problème, non, même. Mais pendant ce temps, l'État qui est même dans la mobilisation là, chaque année, vous avez baissé la donne. Ça veut dire que l'État n'a pas même demandé comme ça. Alors que je écrit, ministère, moi dit, premier ministère, mais 25 entreprises qui ont un problème pour le moment. Qui est quoi non mais pour le moment on prend IBT mais qui fait marcher poisson c'était un contrat de 16 millions de dollars yo paye nèg yo 12 500 000 dollars pour exécuter où est-ce que marcher poisson l'a évalué là où est-ce 4 millions de dollars mais rele compagnon dit compagnon écoute mes évaluations mais combien comme de baou c'est soit on finit marcher ou bien remettre 8 millions de dollars. En fait là où dit monsieur gouvernement qui monde qui ca fait baisa yo parce que là nous dit relé faut connait faut identifier monde qui t'a doué relé qui pas fait rien même yo pour nation ca connait au moins identifier m'abdo par exemple pour 10 millions de dollars 10 millions de dollars Bautissa ministre la porte plainte ministre planification il porte plainte maintenant l'état te doit aller pour que justement yo fait suivi yo mandé comme ça pour rentrer là où rivé exactement ministre planification allez l'autre ministre là te doit faire suivi l'autre ministre là te doit faire suivi ministre justice ou bien non ministre planification qu'on y a là fait suivi ministre justice après la donne ministre finance après la donne premier ministre après la donne parce que c'est un bagage qui concernait la justice planification quoi en général qui pour rentrer là donc ou t'a bien poule de ministère ça. Deuxièmement, on garde GTC, mais le premier ministre avait reçu 25 entreprises IBT qui gagne comme nommé. OK, Adobe qui gagne comme nommé et ou te gagne Sotec qui gagne comme nommé ou te gagne alors bagage toutes les entreprises. Okay. Mais c'est des entreprises où identifier que by cob pour font travail. Travail en parfait. Travail la parfait. Moi-même moi t'ai demandé au moins pour yo dit, ou a fin fait travail là. Ou bien remettre comme là. Mais je vous dis, comment vous voulez que l'entreprise a gagné comme là, année a passé, hein, année a passé, entreprise a pendant ce temps, pas qu'on essaye de faire mal, et puis je vous dis, ou dit, oui, vous voulez faire pour ça. Au niveau administratif, nous avons gardé dans 25 entreprises, nous avons rentré 300 millions de dollars. Ah bon? Dans l'entreprise qui a gagné comme là, que le travail là, il va faire. Bon. C'est là de la tortue. Et... Donc, moi, je dis que je n'ai pas volonté pour un procès. Puisque, en général, ça me déclare les corps administratifs là, ils ne peuvent pas le faire. Beaucoup n'ont pas le parti judiciaire. Côté de la avocat, ils ne peuvent tout le bagage. Ou un contrat dans mon qui dit, mais combien de vous avez là? Mais contrat, ils ne pas exécuté. On prend un exemple. On est au balbalé. Le mouvé, Fombaï, tout l'exemple. L'hôpital et Matissan. L'hôpital Simbi. L'hôpital là, c'est des 8 millions et de dollars. Il y a 6 millions de dollars américains, il y a reste là en good. Actuellement, mais l'hôpital là, il cabrit qui là dedans. IBTA, il est là. IBTA là. Puisque il y a un monde qui te mène ici. Bon monde qui te mène ici.
moi-même chaque coup me parler nèg la dit mon cher Youri il t'a dit m'a nommé nol mais moi-même j'ai un bagarre avec c'est qui monde hein c'est qui monde et Kiko Sérémi qui okay. Fait que entreprise arrivé bagarre à Kiko Kiko là mais Kiko a répondre a dit pour qui ça entreprise a pas fini mais relé et Kiko dit pour qui ça entreprise à l'hôpital là il va finir qui s'arrivé nous bail toute cob là et puis médecin sans frontières qui était à côté elle va aller mon va à l'hôpital dans zone là. Bon, moi pense que jodi a c'est l'état ça te relé IBT ou te fini l'hôpital là. Hein, yo rangé parce que faut te finir à tout équipement. Mm-hmm. Yo te fini, yo remettre li, ça t'a pour exemple qui t'a montré moun yo gen volonté. Sou route ça gen trois bagages qui important. L'hôpital là, Simbi, marché poisson, mm-hmm. pont yo voulez faire. Ouais trois bagages ça yo. Mm-hmm. Si yo te fini, moi pense que m te ka di m'ap tann au procès de gouvernement. Parce que le gouvernement, le président Moïse, lui-même, lui gagne, non, mais il a donné ça. Parce que moi-même, je me dis, non, il faut nous comprendre. L'homme a fait enquête là. Moi, je remets à président Moïse, pendant la première année, les 25 entreprises qui ont comme nom, et que quelqu'un doit arriver à l'amiable pour que l'entreprise, ça, yo-même, yo vini, yo remet le problème là ou bien fait le travail là. Moi, je remets en deux fois. Est-ce que parmi 25 entreprises ça ou on croit qu'on entreprise c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça son bail extraordinaire. OK. C'est quoi ça lui-même? C'est quoi ça t'es dans stade? Tendez bien oui. Mm-hmm. C'est quoi ça t'es dans stade? Premier contrat qui signe à c'est quoi ça pour stade, il faut le dire, c'est sous Belle Rive. Mm-hmm. C'est sous Belle Rive. Contrat ça a signé avant président Matéli monté. Et yo bay c'est comme ça on avance de 10 millions de dollars. Maintenant, le c'est comme ça vinn joine avant ça yo. Travail la vinn pas fait et c'est ça qui toujours bay là oui. Premier ministre la mode vini comme ministre planification et premier ministre yo vinn avancer comme malgré que 10 millions de dollars pas bien dépassé. Ça c'est yon. Mm-hmm. Mais deuxièmement yo vinn faire des avenants avec c'est comme ça sous question de pelouse. Mais ou pour qu'on finisse ce stade-là et pour pouvoir faire contrat pelouse. Et c'est peut-être ça, à la fin, il n'y a pas même acheté parce que ce stade-là pas fini, alors pas que là pas fini. Donc c'est comme ça, il y a comme ça, que les mêmes jodis, il y a une explication. Et puis c'est comme ça, le bord de mer du Cap-Haïtien. Mm-hmm. Le bord de mer du Cap-Haïtien. Où est écrasé tout le caillot, le gros capio. Il a écrasé tout le mer. Mais c'est comme ça, il y a avancé pour le faire route là. Mais pour qui ça que le président de la République là, qui connaît ça, qui dit, n'est-ce pas que vous avez un problème? Mais pour qui ça me bat, j'ai moi un jour que les gens entreprises pour dire que mes cobs ça n'a pas, mais pas le cob ça de là, pas le cob bord de mer au cap là. Mais il faut que je dis, moi je suis fait, et moi je dis, dès que ça a fait, parce que l'opal dans la justice, c'est pour cas qui est compliqué. Mm-hmm. Mais cas qui est simple, pour te dire qu'il y a un contrat assis, il y a là, il est vivant, il est gardé, il n'a pas de prix. Il y a un avec, il y a un dormi avec. Sénateur Latortu, et pratiquement, il y a un principe toujours évoqué ici, le principe de la responsabilité partagée. Mm-hmm. Nous avons état de droit. Bon, on a fait expérience certainement, puisque y a un des principes à respecter. Moi, je crois que chaque entité dans l'État a une fonction spécifique en fonction du pouvoir que la Constitution a attribué à l'autre loi. Il y a trois pouvoirs. Voilà. Et nous avons après-midi à ce pays en consultation. Parce que nous avons très technique et une expérience dans l'État. Qui est-ce monde dans l'État qui est responsable d'État qui a compétence pour aller et entreprise qui a l'argent jusqu'à cette présente minute et pour qui a brûlé pour demander ou comme ça. Bamdou, le ministre là signé et où on est l'État est pérenne. Hmm? Yeah. L'État est pérenne. C'est-à-dire que je dis à ministre a signé un contrat, il n'est pas là, demain l'autre ministre là, il a engagé l'État. Yeah. Eh bien, je dis à ministre planification signe on rendra le porter plainte l'autre ministre planification doit continuer. D'accord. Et si jodi a li bagajoni la porter au niveau du conseil de gouvernement. D'accord. La porter au niveau du conseil des ministres. D'ailleurs le dossier Petro-Caribe devient un dossier d'état
chaque ministre qui arrive, tu dois garder pour le suivi. Mm-hmm. Et s'il pas fait, au moins ministre ça, tu dois relayer justement compagnie en question pour dire ça qui passe. Mais l'État bon temps comme mais travail là pas fait et comment lié. Mm-hmm. Et comme moi même moi t'ai content pour tes dossiers des entreprises. Moi t'ai remettre président Moïse. Moi t'ai remettre premier ministre. Moi t'attends à ce que alors premier ministre t'ai relayer vraiment, il faut le dire. Li relayer li dit 25 entreprises ça yo la relayer. Est-ce que me d'accord les ou vini pour me là dit oh bon dans l'état pour me bala. Bon prendre responsabilité bon dit nèg yo gen problème dans meilleur. M'pa peur, m'a là. N'te gantan parler pour me là. Malheureusement, ça va jamais fait. Est-ce que vous comprenez? Ça va jamais mon côté blocage là. Et ou alors parler de responsabilité partagée, on va bon exemple côté dans l'état justement. L'état s'il mettait ensemble, il y a un pile bagarre qui t'a fait. Il me dit bail boy ici déjà et c'est la responsabilité partagée. Le président Jovenel t'a signé, t'a gagné des contrats qui t'a signé que le joigne depuis sous Préval dans l'électricité. Le vini, président Jovenel relé nous, lui expliquer nous que contrat ça va actuel dans l'état. C'est un contrat au moins le payer 195 millions pour yo par année à raison environ de 15 millions à 15 à 17 millions le mois et que li pap jam ka atteindre question courant 24 sur 24 ça avec contrat parce que là rien comme et bien ça nous fait nous même nous dit président comme c'est pas où tu signes un contrat au contrat là le Sénat va te donner le cadre légal pour refaire contrat yo. Moi même comme président Sénat nous réunis tous sénateurs, il faut le dire, pas aucun sénateur qui était passé à côté. Tout sénateur vote en résolution, yo mandé président ou négocier contrat yo. Jou m'pote résolution ça bay président, li levé malè. Li dit mon cher, ou aider même moi le faire travail là. J'ai vu un Jovenel Moïse et très content, rayonnant le visage rayonnant. Tout heureux. Oh, président contrat, ministre finance qui était là avant. Yo te font calcul à TPTC que yo ka économiser au moins 50 millions de dollars. Dans contrat ça aussi yo négocier parce que là où te fait vraiment c'était des contrats que me pensait président Préval te ba moun yo certains avantages. Maintenant, résolution là. Nous relé dans Sénat, oui, nous relé entrepreneur yo. Nous dit que le Sénat a voté une résolution pour négocier nous pas d'écraser business yo. Mais nous d'ailleurs ou négocier parce que pays a pas kakembe. Et nous, c'est représentant pays a. Yo dit nous, yo pari. Gen yon entreprise même qui te voye terme ou en négociation yo ba nou. Nous prenons yo, nous voye yo ba yon président. Mon konne président, pas, non seulement pas jamais négocier contrat, mais j'ai appris plus tard que l'exécutif nous a dit que c'est Sénat, c'est le président du Sénat qui te vle raser contrat. Donc, ça veut dire que pays ça, faut ne garder bien. Et là, on est rivé, ouais, sénateur la tortue. Dans la position ça, a dit que le président Moïse doit démissionner, pas qu'à faire fonctionne, c'est parce que pas pour nous en l'aimerité, c'est pas dans la rumeurité. J'étais le président du Sénat. Et j'étais à chaque moment, pendant ma première année, Val, campagne, j'étais toujours à côté du président parce que je me dis, président, il faut que tu réussisses. Je me dis, président, où c'est un représentant pour moi de classe moyenne, non, où arrivé là, mon discours que bah, ta réussite sera la nôtre. Mais l'homme gardé, moi, ouais, électricité passait comme ça. L'homme gardé, moi, ouais, le président était celui qui était encouragé dans Petro-Caribé. Parce que le président n'était pas encore président. On commence Petro-Caribé en mars 2016. Le président était un simple candidat. C'est un simple candidat. Donc, moi-même, moi, j'ai supporté. Et le président me voit en campagne et dit oui, dossier ça, ce dossier, nous pouvons le frapper sous lui. Est-ce que vous avez compris mon étonnement? Et le président à Paris, le président dit, il y a des gens dans tout coin dans le Sénat, et qu'il a bloqué le dossier, ça c'est politique. J'étais campé, Mchita. Mchita, c'est ça. Non, c'est pas sérieux. Le président te dit, dossier ça, il faut que nous poussions malgré à frapper, parce que pendant les 10 dernières années, ils ont pillé le pays, ils ont surfacturé. Et maintenant, on voit un président qui fait un volte-face à Paris, qui refait un autre volte-face. Hein? Et en Haïti, il est au bal pression. Où est-ce que vous faites ça? L'Europe marche dans la main, marche droite. Et bien, vous faites face. Vous virez tout de suite. Ce que tu comptes, sénateur. Ce que tu comptes, sénateur. Non, mon cher. Qui vous comptes, sénateur? Ah bon? Bon, sénateur. Sénateur. Et est-ce que vous pensez, sénateur, par rapport à l'État et système judiciaire, non? Avec deux juges, je ne vais pas dire qu'ils sont incompétents. Mais en pile ou pas gay,
ta ka di spécialité lo gade par rapport à ça qui comme complexité dans question Pitou Caribé parce que Pitou Caribé gen des connexions tout monde qui mange comme là à l'étranger faut avoir des spécialistes qui viennent faire des enquêtes etc etc donc on marche à vénézuélienne qui mange comme là tout bon voilà donc ça veut dire est-ce que le n'a gardé ça sénateur au premier niveau est-ce que ou procès a vraiment cap fait ça son premier niveau un deuxième aspect tout dans la question c'est que le rapport en dépit du fait que la Cour des comptes présenter deux rapports ou bien un rapport en deux temps premier rapport deuxième rapport jusqu'à présent rapport a un aspect partiel parce que les institutions la Cour des comptes et des rapports pour bailler sous tête li le parlement haïtien pourquoi était 22% ou 25% environ entre d'accord donc fort de ces constats est-ce que nous disons décor qui prépare vraiment pour un procès juste équitable tant que toute population a demandé là n'est pas un rapport partiel, un rapport par étape. Yo bay en première étape, yo bay en deuxième étape. Mais ça gagne hein, c'est 78% de comme là. Ah oui, mais était 78% riton. Était 22%. Voilà. Oui, mais gagne 78. C'est partiel quand même, sénateur. Ah, quelqu'un qui compte hein. Il y a 22% oui. Hein? Quelqu'un qui mange l'argent qui a 22% pour professeur. Net, il y a 100%. Tout net. Mais pas besoin là bien. Monsieur, moi je dis non bagaille. Nous on a parlé de procès. Si gagne un président qui voulait question Petro Caribea, il est beaucoup même privé dans le procès. Moi, je suis déjà, oui. Dans le contrat, dans le relais sans procès. Dans le contrat, dans le relais dit nèg, mais tant qu'on est dans le monde, mais tant qu'on est contre le fini, ou mettre quoi, tu as un bon président qui a ramassé entre 300 et 500 millions de dollars. Sans beaucoup de juges. C'est parce que, c'est vrai, le système n'est pas bon, le système judiciaire n'est pas bon. Mais on prend deux exemples, ça y est. GTC qui a fait mat là. Nèg yo gen 12 millions de dollars dans main et c'est film supervision di yo. Et nèg yo reconnaît yo gen comme dans main yo, la seule chose, yo gen comme dans main yo. Mais pas ka bailli comme ça. Yo dit l'état qui bien mobilisé, yo beaucoup ka bailli comme ça, faut yo chita. Ça c'est yon. OK? M'a parlé de 12 millions. M'a parlé de l'hôpital Simbi. M'a parlé de ça a été fait en bas, ça ou les Wap Jérémy. Moi parlé on garde question de monsieur comment il va être encore aéroport. Aéroport il la vache. C'est 8 millions pour aéroport, 5 millions pour supervision. Hein? En fait, avant de terminer, sénateur, est-ce que tout sénateur, le Parlement haïtien, pas de possibilité pour le prendre aucune résolution en attendant pour question entreprise, pour nous relayer un par un, nation à identifier qui a l'argent dans main et pour commencer à récupérer COB? Moi-même, passé pour le moment, Parlement. Il y a deux balles de café. Mais il y a un bail important pour le faire. L'après tout le monde qui a un rapport, tout le monde est indexé. Parce que c'est ça, le coup de compte fait. Le coup de compte dit, mais tel contrat qui s'y est en telle entreprise et tel monde. Entreprise, je prends pour surfacturation. Ministre, là, je prends parce qu'elle va faire appel d'offres. Responsable de premier niveau, c'est ministre. Responsable de deuxième niveau, c'est entreprise. Responsable de troisième niveau, c'est comptable. Et puis, la Cour des comptes dit, fort tribunal compétent, continuer enquête là. Donc ça veut dire que le niveau devant tribunal de droit commun. Moi je pense que plus gros bagaille pour le Sénat fait et qu'a bon pour lui. Pour le Sénat et devant population que le Sénat pour une résolution avec tout nos moins ça yo, les dio mettez à disposition de la justice. Ça que dans l'état doit démissionner, ça que pas dans l'état doit éteindre. Non mais c'est deux phases. En même temps, non quoi vous te dire avant qu'à recevoir entreprise yo. Parce que ouais bah entreprise. Ouais même qu'on fin parler de ça là encore bien personne devine parler de entreprise. Dans dossier Petrocaribien il posait gros problème. On va arriver sur ça. Premièrement pour monde ça au mettre devant la disposition de la justice. Deuxièmement les mesures conservatoires parce qu'il y a monde qui pendant ce temps capable de bien et troisièmement justement que l'état gouvernement toute entreprise que était bail cob yo pas bail cob en attendant que l'état relé yo soit pour mettre comme là ou bien au fin du travail là. Moi je pense à partir de ce moment population a prouvé que vraiment gagner pour cette Petrocaribé. Mais ça l'a demandé depuis un an. Hein? Depuis un an. Au moins moi même d'arrêter et c'est peut-être ça au Sénat position claire sur Sénat. Moi dit si parlement quitter ces mouvements là rue pour des stations dans la rue qui voyait justement Jovenel aller. Nous va arriver dans une situation de 2004 ou après que législature n'est pas existé. Mais si jodi a parlement prend responsabilité, il prend résolution pour le prendre, pour le dire tout le monde présenté devant la justice, il prend résolution pour le prendre dans la chambre des députés, je t'assure,
que population même qu'on y a après parlement l'autre jour. Bien. Madame, monsieur, merci en pile parce que nous t'avons suivi l'émission. Hein. Nous t'es recevoir dans le micro, nous, sénateur You et la tortue de l'Artibonite, président commission anticorruption. Donc, déjà, nous prêts à le passer dans l'autre bagaille puisque nous connaissons que Douléa était dur. Il était dur, mais finalement, yo qualifié, mais bon, Douléa là, Kimbe. Pile souffrance. Oui, il y a pile souffrance qui pourrait arriver là. Donc, Mounio, vous devez manger, sénateur. Ouais. Vous devez manger. Manger? Oui, parce que bah, on est soif quand même. Là, le précisissement, c'est naturel. Moi-même, en général, l'homme est trop fanatique. Mais si je perds, ça fait mal quand même. Il y a une bonne expérience. Je fais mes radios parce que je bats 4 heures d'air, finalement. Bon, mesdames, messieurs, pas couille à gauche, pas couille à droite, tout le monde, restez dans la campagne.